Amen. Amen. Ce matin, we looked at point nine. On a regardé au point 9. And we saw that. Et nous avons vu the image of the beast is connected to the mark of the beast, connected to the Sunday law. Que l'image de la bête est connectée avec la marque de la bête, avec la loi du dimanche. And then we could compare the mark of the beast with the seal of God. Et on peut comparer la marque de la bête avec le sceau de Dieu. Last Day Events, page 219, says that the seal is the mark. Événement des derniers jours 166.4 nous dit que le sceau c'est la marque. It says the seal or mark of God. Le sceau ou la marque de Dieu. And what is this seal? Et quel est donc ce sceau? What is the seal of God? Quel est donc le sceau de Dieu? Not the Sabbath. Ce n'est pas le sabbat. So the seal of God is the truth. Le sceau de Dieu, c'est la vérité. So this truth can be understood in different ways. Cette vérité peut être comprise de différentes manières. You could understand it to be the Sabbath truth. Cette vérité peut être comprise comme la vérité du sabbat. If you were to look at it carefully, you'd see it's a bit bigger than the Sabbath. Mais ce peut être plus grand que le sabbat. For sure, if we looked at it as the third angel's message. Si on. For sure. If we looked at it as the third angel's message, si on regarde, on la regarde sous le message du troisième ange, you know, it has to be more than the Sabbath. Ce doit être plus que le sabbat. Could it be the Sabbath? Car ce sera le sabbat. Man, and the testimony of Jesus. La nature de l'homme et le témoignage de Jésus. Three truths that come together to deal with the third angel's message. Les trois vérités qui viennent ensemble pour parler du message du troisième ange. So if we were to say this is the truth, s'il fallait qu'on dise que c'est la vérité, and then we would also understand this as the message to Laodicea, et le comprendre aussi comme le message de Laodicée. I don't think we've given a spirit of prophecy quote for that. Je ne pense pas qu'on donne une citation pour cela. Let's do that. We're going to go to early writings. Nous irons dans premiers écrits. And it begins page 269. Commence à la page 269. That's where the chapter begins. C'est là que commence le chapitre. We want to go to page 270. Et on veut aller à la page 270. Paragraph 2. Paragraphe 2. Begins, I ask the meaning. Begins, I ask the meaning. J'ai demandé la signification. Ça commence là. With it? On y est. I asked the meaning of the shaking that I had seen. J'ai demandé la signification du criblage que j'ai vu. So we're on page 270, paragraph 2. On a la page 270, le paragraphe 2. En français, c'est pareil. Hein. Page 270, premier écrit. You tell me when you find it, Brother Carl. Carl, tu me dis quand tu l'as trouvé. So Ellen White sees a shaking.
Ellen White voit un criblage. And she's shown what caused the shaking. On lui montre ce qui cause le shaking. It was caused by the straight testimony. Alors, ce qui cause le criblage, c'est le témoignage direct. Called forth by the counsel of the true witness. Appelé par le conseil du véritable témoin de Laodicée. So, there's a witness. Il y a un témoin. This witness is telling the truth. Ce témoin dit la vérité. And this is the witness to Laodicea. Et c'est le témoin de Laodicée. And this witness has given some counsel. Et ce témoin donne des conseils. We'll summarize all of that. On va résumer tout cela. There's a witness. Il y a donc un témoin. Has given some counsel to the Laodicean church. Il y a un témoin qui donne donc des conseils à l'église de Laodicée. And the counsel that he gives, le conseil qu'il donne, produces an effect in some people. Produit un effet chez certaines personnes. A response. Produit une réponse. And this response is called the straight testimony. Cette réponse se nomme le témoignage direct. So this straight testimony, ce témoignage direct, will have an effect upon the heart of the receiver. Aura un effet sur le cœur du récepteur. And it will lead this person to worship God. Cela va conduire cette personne à adorer Dieu. And in their exaltation of God, they give the straight truth. Et elles donneront donc ces personnes la vérité directe. Some of the people who hear that straight truth. Alors, certaines des personnes qui entendent cette vérité directe reject it. L'ont rejetée. And they rise up in opposition. Et elles se lèvent en opposition. And that's what causes the shaking. Et elles se lèvent en opposition et c'est ce qui cause le criblage. Has only been superficially obeyed. Et le témoignage du véritable témoin a été superficiellement obéi. Of the true witness. So, when we speak about the message to Laodicea, quand nous parlons au message de Laodicée, this is one of the key places that we find it. Et c'est l'un des endroits clés où on le trouve. The true witness gives some counsel. Le véritable témoin donne des conseils. And people stand up and give a straight or an honest statement or testimony. Et les personnes se lèvent et donnent un témoignage direct et honnête. So what is this direct testimony that they're going to give? Quel est donc ce témoignage direct qu'ils donnent? What will they say? Que disent-ils? Hein? Sister May, what will they say? Sister May, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elles disent, ces personnes? The message. Pardon? Brother Carl, what will they say? Carl, qu'est-ce qu'ils disent? They're going to give a direct message. Elles vont donner un message direct, un témoignage direct. I don't see it. Okay. Je ne vois pas encore. Catherine, what is the testimony? Catherine, qu'est-ce que le témoignage? The message that the... No, just generally, what is a testimony? Généralement, qu'est-ce qu'un témoignage?
Si je dis donne-moi ton témoignage, c'est une. So a testimony. Le témoignage. Is a statement of your experience. C'est un témoignage de ton expérience. So the word straight means direct, honest, truthful. Le mot direct, straight, ça veut dire direct, honnête. Direct, honest. Direct, straight honnête. Has also the connotation of narrow. Ça a aussi la connotation d'étroit. Bringt mit sich, dass es eng gefasst ist. And narrow has the connotation of not many people are willing to go down that road. Et étroit, la connotation que ce n'est pas beaucoup de personnes qui veulent suivre cette voie. Think direct. Pense direct. Think rude. Pensez dur. Tu n'es pas respectueux. Think accusative. Accusateur. Anschuldigend. So, there's this testimony that says what? Il y a ce témoignage qui dit quoi? Testimony is a statement about someone's behavior. C'est sur le témoignage du comportement d'un comportement. So what's the straight testimony now? Alors c'est quoi le témoignage direct? Carl, est-ce que tu sais? I'm not sure to understand all your sentence. Je suis pas sûr de comprendre toute ta. You're gonna stand up. Tu vas te lever. Point the finger. On va te pointer du doigt. At me. Tu pointes du doigt à moi. And what you gonna say? Et tu vas me dire quoi? I don't know. Je sais pas. You're gonna give a straight testimony. Tu vas donner un témoignage direct. And I'm gonna. Et je vais. I'm going to rise up and I'm going to fight against you. Et je vais me lever et me battre contre toi. Stop lying. Arrête de mentir. So what are you going to say to me first? Et qu'est-ce que tu vas me dire? What would you say to me first? Qu'est-ce que tu vas me dire en premier? To make me react. Pour me faire réagir. Stop lying. No. You tell me stop lying. No, you speak to me first. Toi, tu me parles en premier. I told you what I will say afterwards. Je vais te dire après ce que je vais dire. I think you know it's just a language barrier. Yeah, je pense que c'est juste la barrière de la langue. Say something to me. Dis-moi quelque chose. See how polite she is? T'as vu comment elle est polie? Tu as fait quelque chose de mauvais. Right. Peut-être que tu as raison. Help me, sister. Aide-moi, sœur. No, you're not gonna say it like that. Tu ne vas pas le dire comme ça. She's gonna point the finger at me. Elle va pointer du doigt. I say, I know you. Et dit, je te connais. You're wicked, your behavior is. Comment mauvais est ton comportement? You don't deserve to be here. Tu ne mérites pas être là. You're a bad person. Tu es une mauvaise personne. And you're gonna say what to me? Et qu'est-ce que tu vas me dire? No, you're gonna say back to me what? Qu'est-ce que tu vas me répondre? I was just speaking to you. Je ne te parlais pas. I'm not. No, you're not gonna say I'm not. Tu vas dire je n'ai pas. You're gonna stand up. Tu vas te lever. Roll your sleeves up. Is the maybe have a go? Mais lie. Tu vas dire tu mens. Who do you think you are saying that about me? Qu'est-ce que tu qui penses-tu être de dire des choses sur moi? The authority to do what? Qui te donne l'autorité pour dire quoi? Well, no one likes us doing this. Il y a personne qui aime faire ça. Yeah. Who are you to judge me? Qui es-tu pour me juger? One finger forward. Or the three back. Yeah. So this is how we behave.
Voilà comment on se comporte. So this is what's going on in this paragraph. Voilà ce qui se passe dans ce paragraphe. This is what causes the two groups which we raise now. Et okay, so the seal of God, le sceau de Dieu, is those who accept the third angel's message. C'est ceux qui acceptent le message du troisième ange. Which is the message to Laodicea. C'est le message de Laodicée. So we can prove. On peut prouver. The seal is a message. On peut prouver que le sceau c'est un message. What kind of a message? Quel type de message? What is the seal? C'est quoi le sceau? Settling into. C'est enraciné dans. What kind of message? Mais quel type de message? Truthful message. Dans un message vrai. Mark of the beast is a false message. La marque de la bête est un faux message. So we've got the two messages now. On a deux messages maintenant. 9b. On a le 9b. Not two messages, two streams of information. On a deux sources d'information. Un message de source d'information. This is not something new and fancy. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. This issue of two streams of information is well defined, and it's just another way of expressing two messages. Les deux sources d'information, c'est bien défini. C'est une façon d'exprimer les deux messages. Another way of expressing it. C'est une autre façon de l'exprimer. Sister May. Revelation 14:6, Revelation 14:9. Apocalypse 14:6 et Apocalypse 14:9. What's the problem with those verses? Quel est donc le problème avec ces versets? We have in each verse only we only see the one side of the information. Which side? On voit qu'une seule partie de l'information. And for sex we both the same. Which side? Quel côté on voit? A different side is missing. One is for the truth. Yeah. So we see the truth. On voit la vérité. On voit la vérité. On voit la vérité, mais on ne voit pas l'alternative. On accepte le message vérité. The other side is nothing. Et l'autre côté, c'est rien. Everlasting gospel or nothing, third angel's message or nothing. L'évangile éternel ou rien. Le message du troisième ange ou rien. No, that's not correct. Et on dit non, c'est pas correct. Verse 6. Le verset 6. Everlasting gospel. On dit l'évangile éternel or the false message. Le faux message. Same with verse 9. Et la même chose pour le verset 9. This is something that we have not properly defined in our movement for a long time. C'est quelque chose que nous n'avons pas défini correctement dans le mouvement pendant longtemps. The true message and a vacuum. It's the true message and a loss. An alternative message. Ce n'est pas le véritable message et le vide, mais c'est le message et un message alternatif. Is everyone okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Yes. We don't call it two messages, we call it two streams of information. On l'appelle deux sources d'information. When people write things, quand les gens écrivent des choses, sometimes they don't know why they're writing them. Parfois, ils savent pas pourquoi ils les écrivent. Do we agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? Is that a biblical principle? Est-ce un principe biblique? You say yes? Yes. What biblical principle? C'est quoi le principe biblique? Yeah, prophet gets the information from God and write it down, but they didn't understand.
Les prophètes ont donc la formation de Dieu et parfois ne la comprennent pas totalement. On a une citation pour cela? Non. GC? Go to GC 343, it's the next one. GC 344, paragraph 1. 344, paragraph 1. 344. 344, le paragraphe 1. Dans le système? Yeah. Non, c'est. Alors, pour nous, c'est Tragédie des siècles, 372.2 en français. Tragédie des siècles, 372.2 en français. Even the prophets, it should say. Même les prophètes, on pourrait dire. It takes time. Mm-hmm. My quote is online, so it takes time. Got it? Good. Even the prophets? Yes. Yeah. Read that to us, loud. Tu peux nous even le lire? The prophets who were favored with a special illumination of the Spirit did not fully comprehend the important of the revelations committed to them. Alors même les prophètes qui ont été favorisés avec une illumination spéciale de l'esprit ne comprennent pas totalement la portée des révélations qui leur ont été confiées. Alors je lis directement de l'anglais. Hein. The prophets, they get God shows, so the prophets the truth and they cannot fully understand it. Le Seigneur donne la vérité aux prophètes, mais ils ne la comprennent pas totalement. What they meant would be understood after they died. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils le comprennent après leur mort? Understood as the church would need that information. Et on comprend que l'Église a besoin de cette information. There's a phrase in English, it says, on a need to know basis. Il y a une phrase en anglais qui dit leur besoin de comprendre les bases. Je ne sais pas si c'est correct. Hein. You don't need it, we won't tell you. Si t'as pas besoin, on te dira pas. Okay, so we found a spirit prophecy quote for that. Donc on a trouvé l'esprit de prophétie pour cela. So we've looked at two streams of information. Nous avons regardé aux deux sources d'information. People are given information and they don't fully understand everything. Les personnes, on leur donne des informations mais ils ne comprennent pas tout. Now, because we're in a fight, parce que nous sommes dans une lutte with Future for America, avec Future for America, they complain, ils se plaignent that we're stealing their information. Que nous volons leur matériel. So, because Elder Jeff wrote the Time of the End magazine, parce que l'ancien Jeff a écrit le magazine Le Temps de la Fin, and we say, I wonder what that magazine means. Et on dit, on veut savoir ce que signifie ce magazine. What does he say? Il dit quoi? Question is, what does it mean? La question est, qu'est-ce que ça veut dire? The Sunday law will come at the time of the end. Le temps, la, 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 magazine means, and he would say what to us. Ivan, on dit, on veut savoir qu'est-ce que signifie ce magazine, et que va-t-il nous répondre? American and Pepsi. Quoi? Pepsi. Pepsi.
Sorry, okay, what did we just read, Sister May? Sœur May, qu'est-ce qu'on vient de dire? Okay, yeah. I wonder what the magazine means. Je veux savoir ce que dit le magazine. Qu'est-ce que ça dit? Say that. I don't understand. He does not say that. Il n'a pas dit je ne comprends pas. Il n'a pas dit ça. What does he say? Qu'est-ce qu'il dit? No, he didn't say that. Il n'a pas dit je ne comprends pas tout. They're asking me. On me pose la question à moi. What does the magazine mean? Qu'est-ce que signifie le magazine? And he heard that. Il a entendu ça. And he said. Et il répond. Do you want to know what the magazine means? Si tu veux savoir ce que signifie le magazine. Ask Pamela. No, right. Mais non. Jamais. Il va dire, bah, lis-le. Talk to me. I wrote ah, parle-moi, moi, je t'ai, c'est moi qui l'ai écrit. Hein. He says, I wrote it and I know what I meant. Je l'ai écrit et je sais ce que ça veut dire. Do you believe that? Vous croyez ça? No. No. Because it says, even prophets like Elder Jeff. Parce qu'il est dit, même les prophètes comme Jeff, they didn't fully comprehend what they were doing. Ils n'ont pas compris totalement ce qu'ils étaient en train de faire. And he says he does. Et lui, il dit, il sait. So when we take his magazine, quand on prend son magazine, and I say it means this, et je dis ça veut dire ça, he says, how dare you? Il répond, comment tu oses? Don't dare. You have no right. Tu n'as aucun droit. How dare you take my magazine and tell people what it means? Comment tu prends, oses-tu prendre mon magazine et dire aux gens ce que cela signifie? My magazine, I know what it means. C'est mon magazine, je sais ce que ça veut dire. Hein. That's his argument. C'est son argument. Against inspiration, against spirit of prophecy. Qui est contre l'esprit de prophétie. So I'm saying. He wrote the magazine. He's a prophet. S'il a écrit le magazine, c'est un prophète et il ne sait pas ce qu'il écrit. We'll find out what he meant. Nous découvrirons ce qu'il signifie. From age to age. D'âge en âge. As we need the instruction. Alors que nous avons besoin des instructions. Now, one of the foundational concepts in that magazine. L'un des concepts fondamentaux dans ce magazine. It's about two visions. Porte sur deux visions. Those two visions are found in the book of Daniel. Ces deux visions sont trouvées dans le livre de Daniel. Name me the two chapters. Nommez les deux chapitres. Chapter 8. Chapitre 8. Chapitre 8 et 9-11. 10. Chapitre 10. Okay, chapter 8. Chapitre 8. Which vision is this? De quelle vision est-ce? I was in the city of Shushan. Je suis dans la vision de, je suis dans la ville de Shushan. And I went into a vision and I was by. Et j'étais près de. The river Ulai. Près de la, du fleuve de l'Ulai. Chapter 10. Et chapitre 10. Roman, chapter 10. Daniel 10. Good. Now where is he? Maintenant il est où? Don't help him. Ne l'aidez pas. Daniel 10. Don't help him. Ne l'aidez pas. Mm-hmm. No. Okay. Just tell me where he is. Dis-moi juste où il est, Daniel. Not the time period, the location. Non pas la période de temps, mais l'endroit où il est. Où il est. If you start verse 1, you'll find it quickly. Si tu commences au verset 1, tu vas le trouver rapidement. Im dritten Jahr des Königs Pyrrhus.
I don't want to know when, I want to know geographically where. Je veux pas savoir où, je veux savoir géographiquement. Il est où? Am Strom Tigris. At the river Tigris. Good. The Tigre. The Germans did all the work for us. Okay, donc les Allemands nous font le travail. In the English it's called. Dans l'anglais, c'est appelé. Verse 4. The Hiddekel. C'est appelé l'Hiddekel. It gives the Hebrew stroke Persian name. Ça donne le mot hébreu. It gives the original name. Ça donne le nom d'origine. Called the Hiddekel. Ça s'appelle donc l'Hiddekel. And the Hiddekel River is the Tigris. Et l'Hiddekel, c'est le Tigre. So you have two visions. On a deux visions donc. The vision of the Ulai and the vision of the Hiddekel. La vision de l'Ulai et de l'Hiddekel. And if you go to the conclusion of the book, let, the booklet. On va dans la conclusion du magazine. Before we move on. Avant d'avancer. Magazine. The conclusion. La conclusion. Of a document. La conclusion du document. What's its purpose? Quel est donc son but? The purpose of a conclusion. Quel est donc son but de la le but de la conclusion? Catherine, you know what the purpose of a conclusion is? Catherine, tu sais c'est quoi le but de la conclusion? To show when something is finished. Montrer que quelque chose est fini. Bit more than that. Un peu plus. Hein. I'll give you clue word. Je vais te donner des mots-clés. Summarize. Un résumé. Purpose of a conclusion is? L'œuvre de la conclusion, c'est quoi? Fine. I don't know how to say Brother it. Johnson? To summarize what you've said. Résumer ce qu'on a fait. And in this movement, what would we call that? Et dans ce mouvement, on appelle ça comment? What would you call that? Comment on appelle ça? He said. Il a dit. Jonathan said to say what you to summarize what you've already said. Et Jonathan dit résumer ce qu'on a déjà dit. What do we call that? Et comment on appelle repeat ça? Repeat and enlarge. On appelle cela répétition et élargissement. So there's this repeat and enlarge technique. La technique de la répétition et de l'élargissement. So if he concludes. Et s'il conclut. With the two rivers. Avec les deux rivières. That must be a summary of the whole document. Ce doit être donc un résumé de tout le document. If you do a proper document. Si on fait un bon document. It's in three parts. C'est en trois parties. Hein. Number three is called. 3C. Conclusion. La conclusion. Or summary. Ou résumé. Number two. Le deux. The body. S'appelle le corps, le développement. Number one. Un. Introduction. Introduction. What's the difference between the conclusion and the introduction? Quelle est la différence avec la conclusion et le développement? What's la conclusion difference? Et l'introduction, pardon. There's no difference. Il n'y a pas de différence. One and three are the same. Pas de différence, car 1 et 3 sont la même chose. Roland, tu es d'accord? Hein? Ich meine, in dem Schluss ist ja offensichtlich dann, dass die Einleitung von einer Erklärung drin ist. Kannst du das anders zusammenfassen, bitte? Wenn ich erst die Einleitung lese und ich kann den Punkt nicht kriegen, weil er nicht offensichtlich ist, dann kann ich ihn in der Zusammenfassung erkennen. Then I can recognize it in the summary. Das ist der eine Punkt. This is
Aber wenn ich zu, ist das so, wenn ich so, sofort zur Zusammenfassung gehe, dann ist der erste Punkt mit drin. Parce que on va directement au résumé. If you read the introduction, si on lit l'introduction and you don't understand what it's about, et vous ne comprenez pas ce sur quoi ça part, porte, l'auteur, is a bad writer. L'auteur est un mauvais écrivain. They failed in their job. Ils échouent dans leur travail. The purpose of the introduction, le but de l'introduction is to tell the person what you're going to speak about. C'est de dire aux gens de quoi vous allez parler. The purpose of the conclusion, le but de la conclusion is to tell people what you've just spoken about. Et de parler aux gens de ce que vous venez de lire, dire. The introduction points to the body. L'introduction pointe au cœur, au corps. And the conclusion points to the body. Et la conclusion pointe vers le corps. So this is what you want to tell people. Voici ce que vous voulez dire aux gens, le corps, le développement. This is a summary of this. Voici un résumé de cela. And this is a summary. Et la conclusion aussi. Hein. So you give two summaries of what you're going to say. Vous donnez deux résumés de ce que vous êtes sur le point de dire. Okay. So if I were to ask you, the first angel's message, equals, donc si je dois vous poser la question, le message du troisième ange égale, equals the third angel's message, égale le troisième ange. Die erste Engelsbotschaft ist gleich die dritte Engelsbotschaft. Summary. Résumé. Summary. Résumé. They're identical. Ils sont identiques. Sie sind identisch. One equals three. 1 égale 3. The same thing. C'est la même chose. So, in the conclusion, dans la conclusion, if he's going to talk about these two rivers, s'il va parler de ces deux rivières, these two visions, ces deux visions, in the conclusion, dans la conclusion, then he must have spoken about it in the body and the introduction. Dans la conclusion, s'il parle des deux rivières, il doit en parler dans l'introduction et dans le corps. So the purpose of the magazine is what? Le but du magazine, c'est quoi? What title would have been a better title? Quel aurait dû être le meilleur titre? The story of two rivers. L'histoire de deux rivières. That would have been a better title. Ça aurait dû être le meilleur titre. Based upon the subject. Basé sur le sujet. Let's be careful. Soyons attentifs. Point number... four. Le point numéro 4. You have the title and the theme. Point numéro 4, on a le titre so et le thème. Of this book, le thème de ce livre is not a threefold union. N'est pas une union triple. Which is what he wants you to believe today. C'est ce qu'il souhaite qu'on croit aujourd'hui. The theme is what? Quel est le thème? Le thème. Two rivers. Deux rivières. The Ulai and the Hiddekel. L'Ulai et l'Hiddekel. The title. Le titre. You can give what you want. Vous pouvez dire ce que vous pouvez donner le titre que vous voulez. Un bon. Would be the time of the end. Sera le temps de la fin. Put you in the correct place. Parce que cela vous met dans le bon endroit. At the time of the end. Au temps de la not fin. Not threefold union. Ce n'est pas trois unions. The time of the end, the title, au temps de la fin, le titre. What do we know? Qu'est-ce qu'on sait? You will get what? Nous savons quoi? Brother Arian. Sister May. May. Stream to information. You'll get a message of truth. Du bekommst eine Botschaft der Wahrheit. On aura un message vrai. You get the seal or the mark. On a soit la marque river you will drink ou le from. Seau. Tout dépend de you quelle rivière mark, on va boire. It leads to death. Si on a la marque, ça conduit à la mort. The seal, leads to life. Le seau, ça amène à la vie. So you have two rivers. On a deux rivières.
leading to two seas. Qui conduisent à deux mers. One sea is called what? Une mer s'appelle comment? The sea of glass? La mer de verre. Hein? And the other one? Et une autre. Lake of fire, good. Le lac de feu. Lake of fire? What? Yeah. Le lac de feu. Quelqu'un peut trouver le verset? Got it? Yeah, it's cup. Go to 19:20. Apocalypse 19, 20. The last part of the verse. La dernière partie du verset. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre. Apocalypse 19, 20. So, Elder Jeff can argue that he knew what he was writing. Alors, l'ancien Jeff peut discuter disant qu'il sait ce dont il est en, ce qu'il a écrit. And we don't have any right to steal his document and tell him what he meant. Et on n'a aucun droit de prendre son document et de lui dire et de dire ce que ce document signifie. And I say. Et moi je réponds. No. Non. GC 344. Grande controverse. 300, even Elder Jeff. 372 en français. Who was favored with special light from God. Même l'ancien Jeff qui a été favorisé par une illumination spéciale de la part de Dieu. He didn't completely understand the importance of what he was writing. Il n'a pas totalement compris l'importance de ce qu'il était en train d'écrire. He didn't fully understand the importance of the light that was given to him. Il n'a pas compris totalement l'importance de la lumière qui lui était donnée. The meaning of this document, la signification de ce document, would be understood later. Serait comprise plus tard. Hein, step by step. Étape par étape. Hein, as this church would need its instruction. Alors que l'église aura besoin de ses instructions, de son instruction. Yes. Instruction therein contained. Yeah. So there's two streams of information. Donc il y a deux sources d'information. I want us to pick up the point. J'aimerais qu'on relève le point. The brother Roland made. Que le frère Roland. Purpose of the magazine. Le but du magazine. Is to decide. Est de décider. Who has life, who has death. Qui a la lumière, qui a la vie. Who has the seal and who has the mark. Qui a le sceau et qui a la marque. It, there are two messages. Ce sont là deux messages. Two streams of information. Deux sources d'information. The hidical and the ulai. L'ulai et l'udekel. Hein. One brings you to life, the sea of glass. Un qui vous emmène à la vie. One brings you to death, the lake of fire. Et l'un vous emmène à la mort, le lac de feu. That's ou the la mer purpose de of glace, the magazine. De verre. Ça, c'est le but du magazine. And his position is. Et sa position, c'est. I've taken his document and I've manipulated it. J'ai pris son document et je l'ai manipulé. Remember. Rappelez-vous. This one here. Celui-là. A leopard power. Une bête semblable à un léopard. He wants to tell people that I'm a Jesuit. Il veut dire aux gens que je suis jésuite. He has evidence. Il a ses preuves. What's his evidence? Quelles sont ses preuves? I destroy the meaning of his magazine. Je détruis la compréhension de son magazine. Brother Arian.
Ariane. Ask Elder Jeff what's the purpose of his magazine. Demande à l'ancien Jeff le but de son magazine. And he says? Et il dit? Threefold union. Threefold union. Les trois unions. You ask Elder Tess? Tu demandes à l'ancien Tess le but de ce magazine. And what does she say, says Brother Carr? Et Carl, qu'est-ce qu'elle va dire, Tess? Two streams of information. Deux sources d'information. Two rivers. Deux rivières. Completely different understanding of the same magazine. Une compréhension tout à fait différente du même magazine. So when all of this was done, two streams. Quand tout cela a été fait, les deux sources. Two Americas. Deux Amériques. Two papacies. Deux papautés. He knew it was a direct attack against his own magazine. Il savait que c'était une attaque directe de son magazine. And he resisted. Il a résisté. And so he has to find a way of combating what we teach. Donc il doit trouver une façon pour combattre ce qu'on enseigne. Yes. And that's what's caused this separation. Et c'est ce qui a causé donc la séparation. Because we're attacking who and what he was. On a attaqué qui il est et ce qu'il était. Yes. Not a human, not him as Elder Jeff, but him as the first angel. Lui, non pas comme l'ancien Jeff, mais le premier ange. Brother Carl, did you have a question? Carl, tu avais une question? Sure. Question? Threefold union? La triple union. Mais c'est quoi la triple union? False prophet, dragon. Number one. Il y en a un autre. Le faux prophète, la bête et... Beast. Et le dragon, the beast and the false prophet. Dragon, bête et faux prophète. Le tir et le faux prophète. Ariel. Bible verse. Gib mir bitte dafür einen Bibelvers. Le verset biblique. Revelation. Revelation. Chapter. Offenbarung. Jetzt das Kapitel. 16. Good. Read Revelation 16. Offenbarung 16. C'est bien, on est dans Apocalypse 16. Quel verset? Vers. 13. 13. Revelation 16, 13. Apocalypse 16, 13. Dragon, beast and false prophet. Dragon, bête et faux prophète. Threefold union. Trois unions. Any questions on this issue? Est-ce qu'il y a une question sur ces points? The importance of the two streams of information. L'importance des deux sources d'information. This topic. De ce sujet. Any questions on that? Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Any questions on the argument or the fight about the Time of the End magazine? Des questions sur la lutte, la discussion sur le magazine Le Temps de la Fin. The two alternative perspectives. Les deux perspectives. You got there? Was it you introduced it yourself, or was it because of a question? J'ai pas entendu. Pourquoi tu as introduit ça? Est-ce que c'est une question? This two stream of information model that we have here. Le modèle des deux sources d'information que nous avons. People say Elder Tess invented it. Les gens disent que Tess l'a inventé. If you go to Daniel 8, Daniel 10. Si on va dans Daniel 12, 10 et 8. Speaks about two visions, two rivers. Ça parle de deux rivières, deux fleuves. Two visions, two rivers. Donc ça parle de Elder deux Jeffy's magazine concludes by talking about whether you're going to go to the river of life or the river of death. Jeff conclut dans le magazine, soit on va vers la rivière de la mort ou de la vie. And if you conclude with that, si on conclut avec cela, that must mean the introduction is dealing with the same issue, and therefore the body is. L'introduction parle du même point, ainsi que le développement.
You go to point four. Si on va au point 4, the theme, le thème, is two rivers. C'est deux rivières. But Elder Jeff says the theme is not that. Mais Jeff dit que c'est pas ça. He says, I wrote the book. I know what the theme was. Il dit, j'ai écrit le livre. Je sais le thème. Brother Carr? Thème. Great Controversy, Carl, page. On a dit Great Controversy, page. 344. Paragraph. 372, Tragédie des siècles. GC 344, paragraph 1 says. Brother Jonathan? Les Good. Prophètes, dans leur temps, ne comprennent pas totalement ce qu'ils disent. I'm saying he doesn't know what he's writing. Je dis qu'il ne sait pas ce qu'il écrit. He thinks he's writing about threefold union, but he's actually writing about two streams. Il pense qu'il écrit sur trois l'union triple, mais il écrit en réalité sur les deux sources d'information. When would we discover this? Et quand est-ce avons-nous découvert? Quand est-ce qu'on a découvert ça? Step by step, étape par étape, as we need the information, alors qu'on a besoin de l'information that's contained in the magazine, qui est contenue dans le magazine, it would be revealed to us. Cela nous sera révélé. So, two streams of information is given to this movement. Les deux sources d'information sont données à ce mouvement. 2018 into 2019. En 2018 et 2019. June 2019. En juin 2010. Sermon is done in front of him. Un sermon yes. est fait en face de lui. Takes the magazine. On prend le magazine. And quotes this. Et on all cite of this that we've just spoken about. Tout ce dont nous en avons tout ce dont nous avons parlé. He didn't say anything at the time. Il n'a rien dit à ce moment-là. He goes back to that sermon. Mais il revient sur ce sermon. And says that was the point where the rebellion came into the open. Et c'est à ce moment que la rébellion est devenue ouverte. The hijacking of the movement. Le piratage du mouvement. His movement. Son mouvement. His work. Son œuvre. If you want to hijack that, you first have to hijack his document. Si vous voulez le pirater, il faut d'abord prendre le document. The first sermon he does. Le premier sermon qu'il fait. After the separation. Après la séparation, date? La date. 7 septembre. No. yeah. Day. No. September 7th. Le 7 septembre. What's the title of the subject? Quel est le titre? Quel est le titre du sujet? We'll just go with Mother Angelica. On va juste avec Mère Angélique. Mother Angelica. Mother Angelica. Is code word. Est un mot codé. Sister Catherine. Catherine. Code word for what? Un mot codé pour pourquoi? The threefold union. Pour l'union triple. Brother Jonathan. Jonathan. Threefold union. Jonathan, les trois unions. Going from the title. On va pour le titre. Don't say anything. Ne dis rien. I'll give you one of them. Je te dis l'un d'eux. Mother Angelica. Mother Angelica. Is
C'est code word for threefold union. We're okay with that? C'est le mot codé pour une union triple. On est d'accord avec ça? So what is the threefold union? Alors, c'est quoi l'union triple? Mother Angelica. CNN, yep. Fox et okay, Mother Angelica. So the threefold union from the book. Il va donc prendre les triples unions du livre. Say that we deliberately hid Mother Angelica. Et dire qu'on a caché délibérément Mère Angelica. Mother Angelica. Mère Angelica. Code word. C'est un mot codé. For a papal media outlet. Pour un média papal. Don't say it's not a newspaper, but. Ce n'est pas un journal. So good. Is that a good word or not? C'est un bon mot ou pas? We'll call it television station, but it's a bit more, yeah. Television, newspaper. Télévision, article, journaux. Outlet, it's the outlet he's not picking up. Media news source. Une nouvelle source. So, he says, we missed the papal one. On a on est passé à côté. We just focus on the two, CNN and Fox. Du réseau papal et on refuse to accept. Et on s'est focalisé sur CNN et Fox. September, October 2018. Et ce qu'il refuse d'accepter en septembre. Fox, octobre CNN 2018, que Fox et CNN are both American. Sont tous deux américains. He says they're not both American. Il dit ils sont pas tous les deux américains. He says. Il dit. Fox is American. Fox est américain. False prophet. C'est le faux prophète. CNN. Fox dragon. Est le faux prophète et CNN. Globalist. C'est le dragon. Les globalistes. Not American. C'est pas américain. I don't mean who owns it. I don't mean where it operates from. I don't mean that. Je ne dis pas qui sont les propriétaires, comment ils opèrent. Ce n'est pas ce que je veux He dire. Says, il dit, America is one. Les Américains, c'est un seul. Not two. Ce n'est pas deux entités. Not two parts, only one. L'Amérique, c'est une partie. So we were teaching, et nous, on enseigne. America is two parts. Et nous, on disait, l'Amérique, c'est deux parties. CNN Fox. Yeah, that's not correct. CNN et Fox. Et il disait que ce n'était pas America, juste. Fox. Green. Que l'Amérique. CNN is global. Que l'Amérique, c'est Fox. Dragon. If you're going to do that. CNN, c'est le dragon. You're missing one. Donc si vous faites ça, il vous en manque un. Papacy. La papauté. Mother Angelica. Donc la mère Angelica. So it's a complete rejection of the two streams. C'est un rejet total des deux sources d'information. The Catholic Channel. C'est une chaîne that was created by Mother Angelica. C'est une chaîne donc catholique créée par Mère Angelica. Une chaîne catholique créée par Mère Angelica. He sees this as a public attack by us against his message, against the movement. Il a vu que c'était une attaque publique contre son message, contre le mouvement. That was in June. By August, ça c'était en juin. Complete. En juin 2019. The first thing he wants to do. En août, la séparation est totale. Is what? La première chose qu'il veut faire. La première chose qu'il veut faire. What have we attacked? Qu'avons-nous attaqué? What's the first thing he wants to do? Quelle est la première chose qu'il veut faire? He wants to restore his magazine back to its proper place. Il veut restaurer son magazine
à sa propre place. He wants to protect it. Il veut le protéger. Put it back in its proper setting. Le ramener à sa place. Which was what? Qui est quoi? Threefold union. Triple union. Our version. Notre version. He says is a blasphemy, apostasy. I don't know how you describe it, notre but it's pure evil error. Est une erreur maléfique. C'est un blasphème, tout ce que vous voulez. I want us to see that this issue is very straightforward and simple. Je veux que vous voyez que le problème là est très direct et simple. It might appear complicated. Ça pourrait sembler compliqué. But all these complications come down to very simple concepts. Mais toutes ces complications viennent de concepts très simples. 9a. You have death or you have life. Point 9a. It's mort ou vie. The message and a vacuum. Ce n'est pas le message et le vide. It has to have an alternative. Et ça doit avoir une alternative. Le message est un autre message. So what I wanted to show this morning, you won't be able to see it. Ce que j'ai voulu vous montrer ce matin, peut-être que vous n'étiez pas en mesure de le voir. But maybe the camera will pick it up. Peut-être que la caméra va pouvoir le montrer. Sure, I could send it. Oui, je peux l'envoyer. I think it's legal to send it. To copy it, I mean. Okay, so I found this infographic. I don't know if the camera can zoom in. We'll post it. On va le poster. Je ne sais pas si la caméra peut le zoomer. You can see it's red and blue. Vous voyez que c'est rouge et bleu. You can see it says left and right. Vous voyez que c'est dit gauche et droite. I know it's difficult to see from there. Je sais que c'est difficile and de voir de là. You can't see. It says this is a story of the United States. Et ce que vous pouvez pas voir, il dit c'est une histoire des États-Unis. And there's a lot of information here. Et il y a beaucoup d'informations là. It explains the United States on so many different levels. Cela explique les États-Unis de plusieurs niveaux différents. Different perspectives of two groups. Plusieurs perspectives de deux groupes. Judicial, executive, all the two different alternatives. Judiciaire, exécutif, toutes sortes d'alternatives. Views on the family, views on the adults, views on our belief systems. Vue de la famille, de nos croyances. And then, there's another one. Il y a un autre. When I click it, you'll see it looks virtually the same. Et quand je clique, vous verrez, ça ressemble quasiment à la même chose. Not much difference. Il n'y a pas tant de différence. But this one. Mais celui-là. Is about the world. C'est au sujet du monde. Two world views. Deux vues du monde. A left world view and a right world view. Deux visions du monde différentes, de la droite et de la gauche. And so, I'm saying, je dis, when you go to America, quand on va en Amérique, two distinct and separate world views. Quand on va aux USA, on a deux vues distinctes et séparées. And that's exactly what we're teaching. Et c'est exactement ce qu'on enseigne. If you get an opportunity to look at these graphics, si vous regardez à ces graphiques, it explains our message really well, I think. Cela explique et confirme bien notre message. Two world views, two messages. Two streams of information. Deux messages, deux visions du monde, deux courants d'information. This issue about the threefold union. Cette question de la triple union. It's not that it's error. Ce n'est pas que c'est une erreur. I believe in Revelation 16:13 as well as other people. Je crois dans Apocalypse 16:13 comme les autres personnes. I don't think we've understood it clearly. Mais je ne pense pas qu'on l'ait bien compris. It's a very superficial understanding that we have. C'est une compréhension superficielle qu'on a.
And it leads to conspiracies. Et cela conduit aux théories de conspiration. Aux théories de conspiration. It's because we think the United States and the papacy are in a secret alliance still. Car nous pensons que les USA et la papauté sont dans une alliance secrète. Encore. And therefore we look for answers where they don't actually even exist. Donc nous regardons, nous recherchons des réponses qui n'existent pas. Questions, any questions? Est-ce qu'il y a des questions? So without going into the details of the threefold union. Sans aller dans le détail de la triple union. It's basically the combination of three powers. C'est la combinaison de trois puissances. The papacy. The arch enemy of God. La papauté, l'ennemi suprême de Dieu. What people will call the Antichrist. Que les gens appelleront l'Antichrist. This power, this church needs a government or a state to assist it. Ce pouvoir a besoin. This church, this power. Cette église, ce pouvoir a besoin d'un état. Needs a government or a state to support it. Ou un gouvernement pour la soutenir. If it uses common sense, it would use the most powerful government. Si on utilise le bon sens, ça sera un gouvernement puissant. Les États-Unis. Not content with just that part of the earth. It wants everything. Mais elle ne se contente pas de cette partie du monde. Elle veut tout. Hein. So it's not just the United States phenomenon. It becomes a worldwide phenomenon. Ça devient un phénomène mondial, non pas qu'accès aux États-Unis. Donc, l'union triple, papal church, c'est l'église papale that connects with the United States, église papale qui se relie, qui se connecte goes on to a wider stage, avec les the whole USA of the world. Et s'agrandit jusqu'au monde, quoi. That's the dragon, the beast, and the false prophet. That's what the threefold union is about. Et le dragon, la bête, c'est le faux prophète, et c'est de ce que parle. Not to say that there's not truth in that. Ça veut pas dire qu'il y a pas de vérité hein, dans ça. Hein. But the way we've modeled it is incorrect. Mais la façon dont nous l'avons modelé, c'est incorrect. Hein. Conceptualized. On l'a conceptualisé. Because it needs to be conceptualized through the glasses of two streams. Et ça doit être conceptualisé sous les and people have not les lunettes des deux sources et les gens ne l'ont pas fait. Those questions, we'll close your prayer. On va s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter, on va prier. D'accord? Carl. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We pray for continued guidance. Nous te prions pour avoir tes directions. Please bless us. S'il te plaît, bénis-nous. Help us to have a clearer understanding of the issues that confront us. Aide-nous à avoir une claire compréhension des sujets qui nous confrontent. Lord, each of us who are bowing down, hearing this prayer. Chacun d'entre nous qui sommes agenouillés pour cette prière, que nous puissions poser une question. We may be in this movement, nous pouvons être dans ce mouvement, but do we still hold on to old, incorrect views? Mais est-ce que nous nous rattachons toujours à des anciennes visions incorrectes? Do we see the world from a threefold union perspective? Est-ce que nous voyons le monde à partir d'une triple union? Or from two streams of information perspective? Ou par rapport à l'angle de vue donc des deux sources d'information? This is the question that we ask. Et c'est la question que nous posons. The question we ask you. La question que nous te posons. To show us what's in our hearts. Afin que tu puisses nous montrer ce qui est dans notre cœur.
as we examine ourselves, alors que nous nous examinons, to see whether or not we're in the faith, pour voir si oui ou non nous sommes dans la foi. Be honest and truthful with us, Father. Sois honnête et vrai avec nous, Père. However painful it might be. Quel que soit douloureux que cela puisse être. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.